bienvenue à tous. Alors, on se retrouve sur une vidéo enfin d'Animal Crossing. Ça faisait longtemps. Allez, on se retrouve pour la fête de Pâques. Oh, t'as une jolie couronne. C'est une couronne avec des œufs? Oui. Oh, j'en ai marre du ballon. Ils n'arrêtent pas à arriver toutes les deux secondes. Ah ben, on l'attrape. Mais il y a tout le monde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir devant? Un plan, j'espère, parce que j'ai pas tous les plans. Ah oui, c'est un plan, c'est bon. Mais j'espère que c'est un plan que j'ai pas aussi. Hein. C'est pas un plan que j'ai pas. Oui, je l'ai pas. Parce qu'en fait, apparemment, si on a tous les plans et qu'on les construit tous, on aura un cadeau mystère à la fin. Alors, la couronne de Pâques, tu l'as eue de base ou tu l'as... Je l'ai construit. Tu l'as construit? Regardez. Ouais. Oh, il est mignon, le petit lapin. Coucou, c'est moi. Il est adorable. Coucou, c'est moi. Ah, j'aime bien ta tenue. Sympa. Albin, bon petit, yeah, salut la compagnie, c'est moi, Albin. Je suis le lapin malin qui n'est pas venu pour rien. Ah, super. En effet, tiens-toi bien car j'ai une annonce pour toi et tes voisins. Un événement qui va faire du bruit. A lieu pas plus tard qu'aujourd'hui. Tonnerre d'applaudissements. On applaudit, c'est parti. Je sais ce que tu penses et la réponse est non, non, ceci n'est pas un déguisement. Et non, il n'y a pas moyen de le retirer. Ah ouais, bah voilà. C'est suspicieux ça. Si moi il me semblait que c'était un déguisement, oui, non? Oui, tu vas voir, je vais vous montrer quelque chose d'après. Bon Kitty, assez de blabla, parlons de la raison de ma venue. La fête des œufs, bien entendu. C'est un événement en or et je veux voir tout le monde dehors. Si tout le monde est parti. Et prêt à jouer, cette fête sera un succès. Je compte sur toi pour répandre la joie. Accroche-toi bien. Bon Titi, boing, c'est parti. L'heure est venue de récolter les œufs. Youpi, la chasse est ouverte. Allez, on est parti pour la chasse aux œufs. Ils sont partout. Si tu en veux, tu chercheras pas à perte. Est-ce que j'ai été assez claire? Oui, non, alors j'ajouterai, il existe 6 types d'œufs cachés un peu partout sur l'île. Tu devrais bondir sur l'occasion et m'en ramener un maximum. Je ne bouge pas d'ici. Ne te fatigue pas à chercher des œufs dans les bâtiments, tu n'en trouveras pas. Donc c'est que dehors. Par contre, en extérieur, au grand air ou n'importe où, dehors, tu risques d'en croiser. Secoue les arbres, cogne les rochers, surtout n'oublie pas de pêcher. Scrute aussi le ciel et dans le sol. Et dans le doute, sers-toi de ta pelle. Ah, il y en a dans le sol. Trouve les 6 types d'œufs, tu feras un heureux. J'ai même un petit cadeau rien que pour toi. Il aime bien faire des rimes. Hein. Un œuf. Oh, super, un œuf. Merci, ce sont 10 œufs minéraux pour bricoler. Dis-toi bien que tu ne les as pas volés. Maintenant, ouvre grand tes oreilles. J'ai une annonce capitale à faire. Tu m'écoutes? Sinon, tant pis pour toi. Des plans de bricolage sur le thème de la fête des œufs sont cachés un peu partout sur l'île. Celui qui sera capable de fabriquer tous les articles de tous les plans de la fête des œufs gagnera un prix. Allez, arrête de bailler, va bricoler. Allez, on arrête de bailler, on part à la chasse. J'ai les œufs de l'année dernière et des œufs que j'ai récupérés entre-temps avec des personnes. Donc, regardez, attention, préparez-vous, le nombre d'œufs que j'ai. Voilà! J'en ai beaucoup. Ah, j'en ai beaucoup. Ah, donc tu vas pas partir à la chasse aux œufs? On peut. Ah ben si, on y va, on a 10 œufs à récupérer. Allez, on y va, on est parti. En fait, mais non, on les a déjà les 10. Oui, mais on peut continuer, on peut retourner à la chasse. On les a déjà donnés. On peut continuer quand même à aller à la chasse, c'est le plus intéressant quand même. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de bricoler les objets. Parce que j'ai déjà des plans et il faut tous les bricoler. Donc il faut bricoler les objets, sinon on n'a pas le cadeau. Mais on peut quand même essayer de trouver 10 œufs. Mais il faut pas trouver 10 œufs. Non, à la chasse aux œufs. Oui, mais il faut pas trouver 10 œufs. Il en faut combien? Il y en a combien à trouver? Il y a marqué 10 œufs, il a non, dit 10 œufs. Il a dit 6. Ah, 6, moi je t'ai parlé sur 10. Ah. Alors les œufs, je vais vous dire, les œufs feuillus. En fait, il faut taper les arbres. Alors, il y en a dans les arbres, il a dit. Les arbres, alors c'est pas tous les coups. Là, on en a déjà un. Donc là, c'est l'œuf boisé. Quand on tape, on a un arbre. Donc tu retiens, ça fait un œuf boisé, on en a un. Alors, pour avoir les œufs feuillus, c'est vraiment au hasard. Il faut trouver un œuf. Enfin, faut trouver un arbre avec des œufs. Avec des œufs dessus. Ah, il est là, regarde. Là. Ah, bah voilà. Voilà. Des œufs feuillus. Des œufs feuillus. Il y a juste à secouer l'arbre et comme ça, on peut les. Bah, ça nous fait 4 œufs. Donc ça fait 2. Encore, il y en a encore là. Il y en a encore là, il y a encore un arbre, voilà, on peut alors, le récupérer. Pour récupérer le troisième type 2, bah, c'est sous la terre. On creuse. Non, pas comme ça. En fait, ça a la forme d'un fossile. Et voilà, vous avez votre œuf. Un joli œuf étoile. Donc ça fait troisième. Troisième sorte d'œuf.
Allez, on continue. Pour avoir le quatrième, il suffit de pêcher. Allez, c'est bizarre de dire on va aller pêcher un œuf. Oui. Alors, ça a la forme d'un poisson, hein, il n'y a aucun truc qui change. Alors, on peut le repérer grâce à la taille, mais je ne me rappelle pas trop. Je crois que c'est à peu près cette taille-là, si vous voulez pêcher un œuf. Oh, oh bah, super. Ma menette, elle a veillé me faire monter. Allez, le petit poisson. L'œuf, si vous voulez pêcher, il a à peu près cette taille, on va dire. Bah, ça peut être un poisson aussi. Les poissons n'ont pas disparu du jeu. Là. C'est marrant ce que tu as comme hameçon. C'est un petit canard en plastique. Oui, c'est mignon. Alors, c'est peut-être un œuf, ça. Et voilà. Super. Ça fait le quatrième type. Donc, c'est un œuf. Il y a un œuf. Qui pêche un œuf, pêche un bœuf. Allez, il y en a quatre, il en manque deux alors. Un œuf aquatique. Alors, je peux parler. Celui qui reste, c'est l'œuf minéraux et l'œuf aérien. Alors, l'œuf aérien, c'est dans les airs. Quand vous voyez un ballon arc-en-ciel. Un ballon arc-en-ciel. Il y a plusieurs lignes de couleur pastel. Soit dedans, quand vous l'éclatez, vous avez tout de suite un œuf. Soit vous avez un plomb. Donc ça, vous ne pouvez pas avoir de dedans, c'est un œuf classique. Un œuf. Trop d'œufs dans ma tête. Et on laisse partir alors. Ça, c'est un ballon. Non, c'est toujours bien récupéré parce que ça peut toujours être des clochettes ou un autre plan. Pas forcément de Pâques, mais ça peut toujours servir. C'est moi ou mon jeu, il rame beaucoup en ce moment. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Oh, j'entends un œuf. Un autre. Voilà, ça c'est un ballon fait des œufs parce qu'il est arc-en-ciel. C'est l'œuf aérien celui-ci. Donc là voilà, ça tombe bien, regardez, je viens d'avoir un œuf. Donc ça fait notre cinquième type. C'est en éclatant. Oh, très joli, il est joli l'œuf. Et le dernier type, c'est en tapant les rochers. Bon là, j'ai pas de rocher à côté de moi, mais en gros, vous allez voir un rocher. Mais j'en ai plus de rocher, je crois. On n'a plus de rochers, mince. S'il vous plaît, les rochers, je sais plus où ils sont, mes rochers. Et de l'autre côté, traverse le petit pont. Rocher. Ah, c'est un rocher, ça? Non. Rocher. Mais il faut monter. Il faut prendre la rampe, non? Le truc, c'est que je les ai tous cassés pour les faire réapparaître. Donc, je sais plus où ils sont partis. Peut-être qu'on n'en a plus. Si, ils réapparaissent. Mais donc, en gros, vous faites comme par exemple, pour récupérer vos pépites de fer, vos cailloux. On tape les rochers, on récupère rochers la sixième catégorie d'œufs. Avec une pelle ou une hache. Et si vous avez de la chance, vous allez tomber sur un œuf minéraux. Il peut y en avoir plusieurs. Et vous pouvez aussi avoir du matériel plus vos œufs. C'est pas que des œufs, que du matériel. C'est... Voilà. Donc, c'était pour avoir les six types d'œufs. Par contre, il nous a dit vaguement comment les récupérer. Donc voilà, j'ai préféré vous le remontrer. Donc, maintenant il faut peut-être. Faut pas retourner le voir ? Non. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous dit. Oui, j'ai oublié de mentionner un détail important tout à l'heure. Ah, okay. Si jamais il te manque un œuf d'un certain type, je peux te tirer d'affaire. Je te donnerai un œuf de ton choix contre 3 œufs d'un autre type. Bonky, tu vois le bon plan? Bon Kitty On, tu n'as qu'à me dire, échangeons des œufs, je saisirai le message. Ah voilà, ça c'est bien. Je peux faire quelque chose pour toi? Alors, soit j'ai des œufs, échangeons des œufs, ou laisse tomber. Ça fait quoi si je dis j'ai des œufs? Ah, voyons ça de plus près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, bien joué. Tu as les 6 types d'œufs. Bon Kitty, youpi, avec ta permission, je vais te soulager de, disons, un œuf de chaque type. Tu ah bien oui, je me rappelle de l'année dernière, ça. En fait, ça va vous donner un panier fait des œufs. Alors, je l'ai déjà chez moi, donc je vais tout de suite aller vous montrer. Donc, il vous redonne toujours le même, donc on va dire non, parce qu'on économise nos œufs, nous. Et... Tu voulais juste me montrer. Bah alors, on y va. Vous montrer. Donc, il y a la couronne. Ah, super, elle est mignonne, la couronne. À la manière. Il y a des petits œufs partout. Alors, j'ai décoré un peu ma maison. Voilà pour la fin. Ah, sympa! Et j'ai rechangé les jambes, ma déco. Alors, on découvre, t'as un petit sakura! Oui! Très joli la plante. Par contre, le petit canapé, il est adorable avec la petite table. Et là, regardez, ça c'est le petit panier, il est là. Je vais zoomer. Avec le petit panier d'œufs sur un gros œuf. C'est ça, c'est l'œuf qui vous donne quand vous avez les six types. Ah, j'adore le petit canapé! Avec la petite table, c'est trop mignon. Et ma chambre, elle a complètement changé. Alors là, tu as des œufs aussi de ce côté-là. Ça, c'est un gros lit. Et ça, c'est des petits ballons. Alors ma chambre, je vais vous la montrer, elle a complètement changé. C'est incroyable. Bah, c'est bien de changer de temps en temps. Complètement. La décoration. Les murs,
Tada! Ah oui, effectivement. Oh là là, le joli lit arc-en-ciel. Oh là oui, là là là, joli là, nuage arc-en-ciel. Le, petit, le nouveau petit canapé avec la petite table. La ah oui, l'exposition a changé. J'ai tu as changé l'installation des meubles. La couleur, j'ai mis en violet, la petite lune. Il y a un joli papier peint. Voilà. Une petite horloge Sakura. Alors, ce petit nounours, il est fidèle, hein. Oui, il est toujours là, oui. Parce que je l'aime bien, je lui fais un câlin. Oh, il est joli, le petit tableau. Regardez, c'est Mélie et Mélon version Hello Kitty. Ça, alors, tous les nouveaux meubles, là, c'est la version Hello Kitty. Quand vous avez les cartes Amiibo Hello Kitty, vous pouvez avoir des objets si vous les scannez. Ah, il y a deux autres petits nounours. Là, c'est, regardez, c'est les gardes-ours. Gardiens de la chambre. Oui, les gardiens-ours. Toujours la petite tante. La fleur dorée qui brille. Trop jolie. Et voilà. Et le petit truc en haut. Pour dire bienvenue. Et ma petite étoile qui brille, j'ai toujours laissé là. Voilà. Ça, c'était le changement. Après, j'ai rien changé d'autre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec les œufs. Travailler. Oui, voilà, on va aller travailler. Alors, on va utiliser le on va construire. Plan de Tom Nook. Le ça, plan de Tom Nook, d'accord. Voir, nous copions nous en même temps. Copions nous. Alors, je crois pas que j'ai tous les plans. Donc, il faudra bien surveiller les petits ballons qui arrivent. Je crois qu'il doit m'en rester peut-être 4, 5, je sais pas. Il y en a pas beaucoup des plans de la fête des œufs. Coucou. Coucou. Je vais utiliser ton... Il est pas en train de boire son café. Oui. Marie n'est pas en train alors, de nettoyer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut savoir si tu l'as déjà réalisé. Donc ça, c'est nouveau. Donc je n'ai pas. Il me dit zéro en poche. Donc on va tout de suite le construire. De toute façon, il faut tous les construire. Donc peu importe. Une horloge mur, faites des œufs. Et au pire, si on ne veut pas, il ne les veut pas, et ben on a juste à les vendre. Or ça, je l'ai déjà fait. Il y a le petit truc en bas. La petite Ah, il y a une petite table là. Décochée. Voilà, table faite des œufs, je l'ai pas. Ah, mignonne, la petite table faite des œufs. J'espère que j'ai assez d'œufs pour tous les construire parce que j'ai beaucoup joué. Là, vous voyez, c'est coché, donc je les ai déjà fait. Or ça, non, je l'ai pas. J'adore les petits bas de mon personnage. C'est marrant. J'espère que j'ai assez de place dans mes poches. Parce que les œufs, ça prend. Bon, la couronne, on l'a fait. On va accélérer. Ils vont devoir applaudir toutes les deux secondes. Ça. Je construis, bravo! Je construis, bravo! Oh, oh, l'arche, elle est trop belle! Super belle, l'arche. On peut faire tourner, hein, si on veut voir. Par contre, ça tourne très vite. Hein. Bon, pas grave. Construis! Sinon, au pire, j'irai rechercher d'autres œufs, mais normalement, j'en ai assez. Hein. Parce qu'il n'y a pas non plus 3 tonnes de plants. Donc ça, j'ai... Non. Ah, il va falloir construire tout ça. Il y a quand même pas mal de choses, on n'a peut-être pas besoin de construire tout. Ah si, il faut tout, tous les meubles. Ah ben on y va. Bon, ça va, il nous reste juste ça. Le petit mur. J'ai peur de pas avoir, de manquer d'œufs. Au pire, j'en récupérerai d'autres, mais... Un mur fait des œufs. On continue. Tout nous qui m'a regardé bizarrement, il a fait « Arrête d'utiliser trop mon établi, tu vas le casser. » Ah oui, il nous regarde à chaque fois, hein. Alors, les vêtements... Un sol fait des murs. Je sais pas si... Faites des œufs. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas si les vêtements, on est obligé de les créer, mais au pire, on va les faire. Hein. Puis de toute façon, c'est marrant. Donc, voilà. Une clôture. Clôture, faites des œufs. On n'est peut-être pas obligé de faire la clôture, faites des œufs. Bah, on est obligé de tous les objets. Autre chose? Alors, qu'est-ce qu'il reste? Ok, donc il reste juste les vêtements là. Ils sont trop marrants. Allez. Ah, ça, c'est censé être un chapeau. Un chapeau. Ah, oh, ça va être mon. Une coquille d'œuf terrestre. J'aurais dû les. Non, ça va très vite. Bon, j'aurais peut-être dû les construire en même temps hein, quand je les ai eus. J'espère que j'en aurai assez. Oh là là. Oh, les petits chaussons. Bravo, tu as fabriqué une paire de chaussures œufs terrestres. Alors, il y a les vêtements 2 pour les 6 types. Je sais pas combien j'en ai, donc là, ça fait 2. Donc là, ça fait les 2 tenues. 2, 3, 4. Ah, je les ai pas tous. Donc ça aussi, ça compte. Alors, les vêtements, on les récupère à force d'en avoir plein.
du même type de suite, bah on découvre des plans. Et il y a quand même pas mal, hein. Où est-ce qu'on va stocker tout ça? Heureusement qu'on peut agrandir notre espace de rangement chez nous et j'ai assez. Donc au pire, c'est toujours au pire. Hein. Voilà. Pourquoi tu vas les garder d'une année sur l'autre? Bah oui. Parce que dès que, après, l'année prochaine, dès que t'as eu ton petit cadeau final, bah finalement après. Ah quoi? Ah, j'ai plus de place dans mes poches. Parce que regardez, les œufs, ils prennent tellement de place. Ah oui, quand même. T'as pas des trucs à vendre dedans? Ah, c'est quoi ça? Pourquoi ils m'ont donné des. Ce qu'il y avait dans le ballon? C'est quoi ça? Oh, il a peur de lunettes de soleil. C'est celle que tu as eu en cadeau. Elle est marrante, on va finir la vidéo comme ça. Donc je peux en faire un dernier. C'est marrant. Oui, ça va bien. En plus, c'est bleu. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Bah oui, et je les ai pas tous. Je vais aller en déposer tout ça parce que je suis pas super. Je vais les vendre. Ah oui, là, il y en a quand même pas mal, hein. Oh mon Dieu. On n'a plus de place, on a fait hein. Quelque chose. On n'a pas été regarder les trucs du jour. Bon, on regardera en même temps. De toute façon, je dois vendre des choses. Ah oui, on va aller vendre parce que là, on n'a plus de place. On a toujours un inventaire bien chargé, nous. Et du bois. Pourquoi vendre du bois? Oh, c'est mignon, c'est quoi ça? Alors, on n'est pas obligé d'acheter tous les objets, c'est fabriquer tous les objets. Pas acheter tous les objets qui arrivent chaque jour, à chaque fois. Une petite jardinière avec des œufs de Pâques. C'est marrant. Allez, on veut vendre. Ça bouge tout seul. Arrête, stop. Oui, pas de navet le dimanche. Ah bah oui, non, on veut pas vendre de navet, on veut pas acheter de navet non plus. Le petit fragment. Bon, je le ferai plus tard. Tout ça, c'est le truc. Non, on va garder les œufs quand même. La lampe fait des œufs, ce que j'ai fait, du bois dur. Bah t'as rien à vendre. Oh non, j'ai qu'un truc à vendre. Ouais, bah du bois, voilà. On n'a pas grand chose à vendre, il faut aller stocker. Du bois. Sans la clochette, bon, on n'est pas venu pour grand chose, hein, quand même. Il faut aller stocker, il faut que tu déposes. Tu peux pas aller installer un peu chez toi? Si, mais je crois que j'ai plus de place dans ma petite pièce là. Ça fait trop d'objets. Dans la pièce qui était censée être pour une pièce de repos, bibliothèque? C'est cette pièce là que tu parles? Non, je te parle dans la pièce de la salle. Ah oui, là, ça va faire de trop là. Bah voilà, c'est ça. Je veux dire, après le reste. Il n'y a pas des choses que tu peux mettre dehors? Bah, l'arche, c'est dehors, hein, déjà. Hein. Tu peux exposer déjà ce que tu peux mettre dehors. C'est un jour. Hein. Tu peux exposer dehors. Les gros œufs, tu peux les mettre en décoration dehors. Après, c'est pour qu'un jour aussi. Hein. La petite table, tu peux la mettre près du banc, dehors. Tu n'es pas obligé de mettre tout à l'intérieur. Hein. Mais par contre, les vêtements, je ne veux pas les mettre devant les gens. L'horloge, je peux la mettre. Ça n'est pas de souci. L'horloge, ça prend pas de place. Ah oui, une petite guirlande, j'ai oublié. Oui, bah tu peux mettre l'horloge là, avec la guirlande. Ici. Ou là, vas-y, mets l'horloge. Dans mes poches plutôt. Poche. L'horloge. Oh, elle est mignonne, l'horloge. Voilà. Ensuite, poche. La lampe, elle ressemble à quoi? Non. Et comment la lampe? Pas sortir. Une lampe, bah, c'est un œuf. Je sais plus jouer. La lampe, je sais pas. Bah, tu peux la mettre à côté du gros œuf. La table. Non, tu peux la poser à côté du gros œuf. Mais après, ça bloque la pièce. Ah, alors mets-la sur la table, ça fera un peu gros, non? Oui, mais après, je vais l'enlever. Alors, on y va. Regarde, c'est marrant. Ah, oui, effectivement, ça prend de la place. La maison, elle est remplie de. Ah, oui, il y en a partout. Hein. Oh là là. Bon, tout ça, je peux pas le mettre. À l'arche, c'est dehors. Bah, dehors. Penderie, faites des œufs. Tu prends la penderie? Place. Alors, là, oh là là, la penderie fait des œufs. Et. Ah, elle rentre là. Ah ben voilà. Ça peut être marrant en attendant. Voilà, dans le petit coin, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Ouais, pas mal. De toute façon, après, si tu veux. Oh, c'est que pour un temps, voilà. C'est vraiment table, pour la déco. La table. Ben mets-la au milieu, enfin pas au milieu, non? Où est-ce qu'on peut la mettre, cette petite table? Dans l'autre pièce, peut-être, non? Je sais pas. Je mets que dans une pièce. Bon, la table, on ne peut pas la mettre. C'est pas grave. Ah, j'ai un truc posé. Ben moi, je l'aurais mise dehors, la table. On peut mettre l'arche, la petite table dehors. Hein. On peut mettre des choses à l'extérieur. Hein. Sors dehors, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai entreposé le reste que je peux pas mettre. Donc, la petite clôture, ben, je peux pas la mettre. Hein.
un peu ordonné. Ça. Voilà, c'est déjà mieux quand même. Moi, j'aurais mis un peu de déco dehors quand même. J'aurais mis large, j'aurais mis 2-3 gros œufs, comme si c'était un petit îlot, un petit rocher, 2-3 gros œufs dehors. T'as une étendue d'herbe, tu peux décorer un peu l'extérieur, c'est mignon. L'arche, ah ben non, je peux pas la mettre l'arche parce qu'il y a mes spots. Je sais pas si elle rentre. Non, tu vois, elle peut pas. Si j'ai mes spots. Oh bah mince, on a une arche, on peut pas la mettre. Et devant non, pas devant les instruments de musique, non, on peut pas ici. Peut-être, mais ouais, mais il y a ça. Je vais le remettre. Bah, on pousse le canon à confetti et puis on met l'arche. Voir ce que ça donne. Je vais peut-être plus m'éloigner. Ah, mais. Ah, tu la décales un peu, l'arche. Pousse-toi. Voilà. Truc. J'espère que ça va être. Ah bah voilà, super, on a une petite arche pour aller écouter un petit peu de musique et on peut remettre le petit canon à confetti. Allez, t'as une étendue d'herbe, tu peux mettre une petite table. J'ai plus rien dans mes poches. Ah dommage parce que moi j'aurais mis la petite table dehors là, avec 2-3 gros œufs à côté, ça aurait été sympa. De toute façon on va revenir, il y a d'autres plans. Ah il y a encore des plans à construire là, t'as de la place maintenant. Là, t'as tout construit, là ? Non, non, il me reste 2-3 trucs et j'ai même pas tous les plans. Je vais encore les récupérer. Ok, non, j'ai déjà construit ça, voilà. C'est les autres petits trucs qui restent, le volume. Ah, il y a encore des chaussures. J'ai l'impression que c'est la même coquille que tout à l'heure. Oui, c'est la même, mais juste... Pour utiliser l'autre catégorie d'œufs, pour avoir les 6 catégories. Bon, ça j'ai. Ok, il n'y a plus que ça et un autre. Voilà le dernier. Et après, il va falloir trouver votre plan dans les petits ballons. Allez, on a fabriqué la tenue œuf aérien. Ok. Au revoir. Maintenant, il faut attendre les ballons. Ah bah faut qu'ils viennent les ballons là. Ah ils viennent souvent. Je vais aller voir lui, c'est une Alba, il continue de danser. Et t'es plaise. Une pomme, comment ça passe la chasse au plan de bricolage de la fête des œufs. Ça avance, je vois. Continue comme ça. Oh. Tu veux savoir où j'ai caché les autres plans? Je peux te le dire. Ce serait de la triche, dis-moi, tu blaguais. Bon, si tu t'en sors pas, je peux éventuellement te dire ceci. Il se pourrait que par hasard, quelqu'un d'autre ait ramassé avant toi. Demande à tes voisins. Ah, mais tu auras beau me tirer les oreilles, tu n'en sauras pas plus. J'en ai déjà presque trop dit. Je peux faire quelque chose pour non. toi? Alors, faut aller voir les voisins. Oui, merci, mon petit ami Alban. Alors, est-ce que tu as trouvé des œufs, ma plume, depuis le temps? Ça, c'est le texte. Ça me rassure, dis donc. Parce que je n'ai pas parlé depuis longtemps. Et là, on va voir. Tu ne vas jamais me croire, j'ai mis la pâte sur un plan de coiffe faite des œufs. Je l'ai pas. Je n'oserais jamais garder une telle merveille pour moi. Tiens, je t'en ai fait une copie. Oh, il est gentil. Oui, je l'ai pas. Merci, Fanny. Je suis toujours dans tous mes états quand je découvre un nouveau plan, Mimi. Je vois déjà les merveilles que je vais bricoler grâce aux tonnes d'œufs que je m'apprête à accumuler. Je l'ai pas, hein, celui-là, normalement. Je l'ai pas. Hein. La coiffe. Oh non, je l'ai déjà. Tu l'as déjà la coiffe. Bah, t'en as une deuxième. Oh, bah, on continue, hein. Parler aux autres. Alors, qui est là? Ketchup. Sinon, faut aller taper chez les gens, hein. Toc toc, c'est nous. Bonjour. Bonjour. C'est nous. Les copinous. Ah non, c'est pas chez Ketchup, c'est Boloche. C'est Boulogne. Hé Léa, ça fait longtemps. Regarde-moi ces muscles. T'as passé ton temps à t'entraîner. Ah, quelle coïncidence, moi aussi. Voilà, là-bas. C'est spécial chez elle, hein. J'en étais à ma 5448e flexion quand j'ai aperçu un plan de sac fait des œufs. Oui, qui admirait mon torse musclé. Excuse-moi, oui, c'est un garçon. Ni une ni deux, oubliant la barre à disque ainsi que les courbatures, je me suis précipitée dessus. Et sans plus attendre, je t'en ai fait une copie. Ah, alors est-ce qu'on l'a ou pas? Je vais parler à tous les habitants et forcément, tu auras un plan que tu n'auras pas. Ça te fait plaisir. C'est quoi? Sac fait des œufs, j'ai pas ça, hein. Non. Oh oui! Voilà, un joli petit sac à dos. Si c'est ça. Oui, c'est trop mimi. Toi et tes sacs. Ouais, je vais le mettre, je vais fabriquer tout de suite. Merci. Thank you, Bouloche. Merci, Bouloche. Thank you very much. Il est joli, le petit sac. On va quand même continuer à parler à tout le monde. Au cas où. Allez, on continue les tournées. Ils sont chez eux, on continue. Non, ils sont dehors. Alors, on continue. Peut-être aller construire le sac tout de suite.
Patty, on lui a déjà parlé. Non, Patty, on lui a pas parlé. Bah non. C'est à Fanny qu'on a parlé. Allez, Patty. Bon, ça, c'est depuis le temps. Bah oui, parce que c'est pas le temps que tu n'auras pas parlé, hein, quand même. Hein. Maintenant. La fête des œufs est enfin arrivée. Essayons de trouver autant d'œufs que possible, Peluche. Attends, je vais reparler. Ah, tu ne pouvais pas mieux tomber, Peluche. Ah. Il se trouve que j'ai quelques œufs aquatiques en trop. Oh. Ça ne te dérangerait pas de me les échanger contre des œufs d'une autre sorte, disons 3 des miens contre 3 des tiens. Oui, je sais pas, je vais voir. Formidable, si je savais que je pouvais compter sur toi. Alors, lesquels veux-tu m'échanger? Alors, des œufs aquatiques. Les œufs aquatiques, effectivement, j'en ai... En fait, j'en ai beaucoup, des œufs aquatiques. T'en as beaucoup quand même, hein. Je pense que je vais te dire non. Pourquoi? J'ai trop d'œufs aquatiques. Par contre, là, s'ils me proposaient des œufs terrestres, ça m'aiderait beaucoup. J'ai plus beaucoup de terrestres. J'ai beaucoup, regarde, j'en ai 30, 30 et 15. J'en ai 75. Voilà. Bah, je peux pas. T'as quand même pas mal les œufs. Tu peux échanger quand même. Ouais, mais. Ah, les œufs aquatiques, t'en as plus? Mais si, j'en ai si, trop. Si, t'en as trop, ben, bah, elle veut pas des œufs aquatiques. Non, elle veut échanger ses œufs aquatiques contre les d'autres de miens. Donc, bah, bon. Par contre. Ballon. Par contre, s'ils pouvaient me demander d'échanger des œufs terrestres, ça m'aiderait bien. Ah ben, faut aller voir plus loin alors. Déjà, si t'aperçois un ballon, il faut essayer de l'attraper. J'entends le bruit d'un ballon, mais je sais pas d'où il vient. Ok, là, je le vois pas par ici. C'est là. Non, c'est de là-bas. Alors, où est-ce qu'il est ce ballon là? Moi, je l'ai pas entendu, le ballon. Ah, il est là-bas, arc-en-ciel. Il est de l'autre côté. Vite. Je crois que je vais pas pouvoir... Bah, il faut que je rejoigne là-bas. Hein. Oh, non, ça... c'est la course aux œufs. Allez, c'est la course. Le personnage va beaucoup plus vite que le ballon, donc ça ira. Par contre, il faut que j'attende. Super loin. Oh, j'adore tout ce parterre de fleurs, là. Ah, il est long, hein. Il va tomber dans l'eau. Non, mais je l'éclate pas, mais il est long, dis donc. Je suis déjà arrivée au bout, il est même pas arrivé là-bas. Les saute. Mais saute. Non. Mais il est long, il est même pas là. Ah mais il veut pas venir, hein. Allez, dépêche-toi. Je vais monter. Je peux sauter normalement. C'est trop loin là. Tu peux pas sauter. Bon, c'est pas grave, j'attends. Il faudrait que tu aies ta perche. Ben, je l'ai. J'ai tout sur moi. J'ai une poche. Avec la perche, normalement, tu peux sauter avec la perche. Voilà. Il est où cet œuf là? Oh non, me dis pas qu'il est allé là-bas. Ben, je l'ai perdu alors. S'il est allé trop là-bas. Oh là là, qu'est-ce qu'il y en a comme fleurs? C'est joli. Ah, il y a des mauvaises herbes. Tu n'as pas fait ton travail, hein. Attends, j'entends. En haut, c'est une zone sauvage, je ne touche pas. Ah bah, je l'ai perdu. Bon, il est parti. Au revoir, petit ballon. Oh bah, dommage. Ah, on l'a loupé. Ah, il est là. Il est là. J'ai dit au revoir. Bah, il est revenu. Il est là. Par contre, je vais devoir encore attendre. Je vais devoir monter. Vite. Il faut qu'on réussisse à l'avoir quand même. Course poursuite. Ah, il est là. Non, je ne veux pas toucher aux plantes. Allez, hop. Voilà, oh, tout ça, juste super. Pour un œuf. Et pour casser... Oh non, ça m'a servi à rien. Oh bah ça y est, en plus tu l'as cassé. Oh bah je vais devoir aller vite en racheter un parce que j'en ai beaucoup besoin. Pour ah oui, tu t'en sers souvent. Parce que là, j'ai besoin de ramasser beaucoup de... Sinon, pas de nouveaux plans. Ah. Bon bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, bien sûr, si vous en avez envie. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ah, Marie-Lou, je commençais à s'inquiéter parce que c'est pas longtemps que t'as pas vu quand même. Tu voulais me dire quelque chose, Mumizo? Oh, je t'en prie, ne fais pas attention à tout ce qui traîne sur la table en bois. Je faisais un peu de calligraphie et j'ai renversé de l'encre. Ah, c'est jolie lettre, calligraphie. Bon, on se retrouve pour la suite, hein, sur une prochaine vidéo. Toujours avec la course de Pâques, la fabrication, toujours dans le thème de Pâques. On vous dit à une prochaine sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Oui. Dis-nous au revoir, ma poupette, avec tes belles petites lunettes.